Hello à toutes et à tous, c'est Benji, on se retrouve toujours les amis en direct sur Planet Coaster. Je ne pense pas faire de numérotation pour le moment, donc je sais pas, mais si on doit parler de numérotation, on va parler de numéro 2, est-ce que... Je sais pas quand on va diffuser ça, je ne sais pas quand vous verrez ça, mais ce qui est certain, c'est que ce sera déjà tourné. Alors donc, on a eu du mal, mais ça y est, ce parc est lancé, donc on doit construire une montagne russe, 5 enthousiasmes, 5 nausées et 5 secondes d'apesanteur. J'ai rien compris, c'est pas grave. Il faut qu'on fasse 5 secondes d'apesanteur, c'est tout ce que j'ai... C'est tout ce que j'ai cru comprendre ou compris, mais c'est ce qu'il faut juste comprendre. Ok, apesanteur, c'est-à-dire... Enfin, ça, un truc en bois. Ça, c'est une tête d'apesanteur, hein. Écoutez, 5 secondes, c'est hyper long. Voilà! Je pense, les amis, qu'on a la montée suffisante pour faire un apesanteur parfait. Eh bien, écoutez, on descend. Formidable. Ah oui, on va faire un tournicotage en rond. Vous allez voir ça, regardez. Regardez, tournicotage by Benji. Faut que je tourne en avant. Hop. Encore une fois. Nickel. Oh. Hop, on est au sol, on se met droit. Donc 5 en enthousiasme, 5 en bordel, 5 en truc. On va tellement avoir de vitesse, les amis, c'est que de la descente. Moi je dis on teste. On commence par ça. Hop, oui, vitesse maximale, hein. Succès déverrouillé, je vole. Tu m'étonnes. Alors vous voyez pas les succès les amis, mais j'ai eu un succès Steam en haut à droite, je vole. Attendez les amis, vous vous rendez pas compte à la hauteur qu'on va. C'est un truc de dingue. Bon, la descente est elle aussi tout à fait spectaculaire. Mais attendez, on voit toujours pas le bout. Le bout est toujours en train de se construire. Attendez, c'est quand même dingue. Ah, ça y est, les amis, je crois qu'on commence à voir le bout. Si on peut regarder en bas. Ouais, c'est. Non, ne regardons pas en bas. C'est une très mauvaise idée. On est beaucoup trop haut. En tout cas, on arrive à un peu de vitesse. Je ne sais pas combien on va avoir, mais. Oh mon Dieu! Ouais! La vitesse de dingue! 105! Excellent, c'est trop bien! 105! Incroyable! Waouh! Trop dingue! Ah, faut qu'on en fasse quelque chose d'autre, les amis, de cette vitesse, vous imaginez? Attendez! Faut qu'on fasse plein de vrilles! Des trucs immenses! Attendez, on a tellement de vitesse! Waouh! Truc de dingue! Plutôt dans ce sens-là, ouais. Waouh! Truc de dingue! Bon, ça fout le lag, hein! Je peux pas charger les textures. Attendez les amis, on embarque dedans. Nickel! Nickel! On a toujours 60, ça full lag, hein! Mais parfait, c'est nickel. Dans les textures à la fin, le choc frontal, véritablement un choc frontal. Mais en tout cas, on a les vitesses, hein. Oh! Génial, franchement, c'est trop cool. Maintenant, les amis, il faut freiner. Ah oui, je sais, c'est triste. Mais il faut freiner. Parce que si on freine pas, ça va pas bien se passer. Donc là, on descend. Au frein fixe, frein à friction. Ah, je sais, c'est triste, hein. Construire un tel bijou et qu'on soit obligé de freiner. Je sais. Alors que ça coûte une vraie fortune. Je sais. Allez, on teste. Ouais!
Vive le lag! 20 FPS! On s'en rendait bien, 27 FPS! Formidable! 21! C'est nickel, les textures se chargent! Ouais! On freine! On freine! On freine! On a trop freiné! Et non mais au moins comme ça, on arrive sur une arrivée nickel! Regardez, on va même pas à l'arrivée! On va même pas à l'arrivée! Mais! Il y a l'idée! Donc il faut qu'au moins, jusqu'à cette distance-là, soit encore en normal. Ok. On recommence le test. Donc voir à quel moment on se prend plein de jets dans la boule qui ne vont tout simplement pas. Et salut à toi, Domzy. Ok, donc là on est bien. Bon, alors du coup les amis, on va pouvoir utiliser donc le truc des échelles. Donc on va arrêter ça parce que ça fait bugger. Interrompre le test. Merci. Échelle donc de peur, évidemment. Ah, faut qu'il fasse un test. Oh, c'est chiant. Bon. Alors fais-nous un test vite fait. Pour qu'on voit les endroits où la peur, c'est quelque chose d'ingérable. Ok ? Tout le temps en fait, d'accord. En fait, c'est surtout que des fois on augmente beaucoup trop. Et quand on augmente trop, c'est pas bon signe en fait. Donc là on est bien, sauf que là en fait, ici on a trop peur parce qu'on a trop de vitesse. Tout simplement. Donc hop, voilà. Là ici on a beaucoup trop de vitesse. Vous voyez, on est là, on est comme ça, on tournicote. Et hop, puis après on se redresse et on continue d'aller tout droit. Il faut absolument que ici. Donc sur celui-là et sur celui-là. On diminue complètement notre vitesse. Voilà, là comme ça on a une vitesse qui est beaucoup plus petite. On peut faire ça sans problème. Je pense qu'on n'aurait pas, quoique je ne sais pas trop. Peut-être en faire un de taille plus petit. Hop. Non, non, ça le grossit. Voilà, on fait un truc un peu plus petit. Voilà, c'est pas... Hop. Ici, par rapport à là-bas, on fait un truc comme ça. Là. Hop, là, on est bien. On tournicote. Merci. Lumière. Merci. Vous avez vu ça, la technologie, c'est un truc de dingue. Parce que là, du coup, comment on est... Ouais, on est léger, on descend un peu. Après, on remonte. Il faut savoir que la vitesse sera énorme. Après, on se stabilise. On continue de remonter. Ok. Par contre, là, on a vu ici, effectivement, qu'il fallait qu'on en rajoute un. Donc, là. Et limite, c'est celui de la fin qu'on retire. Mais c'était indispensable d'en garder un quand même. Hop! Ok, on a bien freiné. Là, normalement, on a réduit la taille. Ok, faut qu'on réduise encore plus la taille. Très bien. C'est pas grave. Hop. Attendez, comment on fait? Ok. Taille de nouveau réduite. Là, du coup, ça va être assez violent ici. Nickel. Hop. À la sortie de lui, je termine avec ça. Ok, ça doit être pas mal. Ok, on y est presque. On y est presque. Alors, c'est juste que quand on arrive là, ça me plaît pas du tout par contre ça.
Ok, donc ça, je suis d'accord, on n'a pas le choix. Par contre, lui, il faut qu'on le régule avant. Donc, lorsque je dégringole, et si j'ai de la vitesse, ok, très bien. Je préfère qu'on reparte là, comme ça, ici, hop, c'est ça. Et qu'on freine avant. Donc là, je freine, je freine, je freine, voilà, ici. Voilà, je commence à freiner là. Je préfère faire ça, comme ça, après, on est un petit peu plus libre quand on arrive là. Sur cette section-là, comme ça, après, hop, on remonte un chouïa, et après, on tournicote. J'aime mieux ça. Ok. Oh, ça passe pile poil. Bon, c'est pas grave. On va diminuer la taille. Non, je sens que ça ne va pas. Abandonne. On abandonne. Voilà, ça ne va pas. Je le savais, ça ne va pas du tout, ça n'a pas de forme. Faut qu'on soit quand même plus sympathique. Mais moi, c'est le 5 secondes en apesanteur. C'est lui qui me perturbe. C'est le 5 secondes en apesanteur. Non, mais en vrai, on peut faire un truc 5 secondes en apesanteur sans problème. Par là. Hop. Pas sûr qu'on soit 5 secondes. Un petit peu. Hop. Nickel. Là, on dégringole en bas. Hop, on vérifie. Combien de temps on met? Ok, on arrive en haut. 1, 2, 3, 4. On a 4. On soit encore plus haut. On soit encore plus haut. Hop, on teste. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Ah, toujours 4, mince. Après, on peut continuer quand même. 4 et demi. Et puis là, on joue avec les... Ah, zut alors. Je suis de retour pour tel live. Merci NSL. C'est plaisir de te voir. Enfin, du moins de te lire. Ok, attention, prêt à recompter. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on a pile poil 5. Donc, à voir si ça fonctionne bien ou pas. J'en sais rien. Franchement, j'en sais vraiment rien. Donc, voilà. Donc, on verra. Ah, faudrait qu'on se... d'accord. Attention aux arbres! Attention! Il y a des bombes! Ça va exploser, attention aux moineaux! La nature, hein. Ah, ça c'est un spectacle. On va commencer à se rapprocher de la sortie. De la sortie. Des cailloux, c'est pas très grave. Non, faut... C'est pas très grave, si.
La route de moitié. Hop là. Ça devrait être bon. Donc attention, plus de 5 en enthousiasme. Et je sais plus combien en nausée, mais il faut qu'on fasse attention. Ok. J'ai envie de parler japonais en fait. J'ai envie de parler japonais du coup. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de parler japonais. Et puis. Voilà en fait, j'ai envie de parler japonais. Bah c'est, ça n'engage que moi, hein. Vous n'êtes pas obligé de me suivre à parler japonais, hein. Mais. Ouais, j'ai envie de parler japonais. C'est une bonne idée, non? J'ai envie de parler japonais. Je sais pas trop. On peut pas. Je sais pas. J'ai envie de parler japonais. Et puis voilà en fait. Pourquoi parler japonais? Je ne sais pas. Mais ça me plaît en tout cas, moi. C'est reposant aussi. C'est sûr, pour être reposant, c'est reposant. Mais ouais, j'ai envie de parler japonais. Je sais pas. La dépression, bonsoir! Merci de participer! Ouais! On tourne, hein, ça c'est clair. Ça c'est trop violent. Mettez les freins, bordel. Merci. Encore des freins. Ça me permet d'arriver avec une vitesse de 21 mph. Voilà. On est bien. On arrive tranquillou bilou. On est quand même dans la forêt. Il faut qu'on admire le paysage. C'est très important. D'un coup, tu veux parler japonais. On va pouvoir se parler en japonais après. Formidable. Ouais. Bon, comment parler japonais? On va plutôt apprendre le japonais, je pense que ce sera plus simple. Oh mon dieu, c'est affreux. C'est compliqué, hein. C'est quand même très compliqué cette chose. Ou alors, 5 secondes totales. Je sais pas. J'ai pas compris ce truc d'apesanteur en fait. Envie. T'es pas, j'avais envie. J'avais envie. Bon. Là, on fait du tout droit, on est bien. On fait du tout droit. Moi, j'aime bien. Pas trop, non. Droit, quand même. Trop de tout droit, tu le tout. Attends.
savoir, c'est que là, la transition est violente. C'est vrai qu'on soit déjà... Hop. Comme ça. Voilà, ce qui fait qu'on est déjà penché au moment où on arrive dessus. Et je pense que ça, c'est un atout majeur. On n'y pense pas, mais en vérité, c'est très important. Donc on va voir si c'est 5 secondes d'apesanteur au total. J'en sais rien. J'en sais rien, donc il faut tester. Salut à toi, professeur gaming. Mes oreilles, tu as crié alors que le son était à fond dans mes oreilles et en apesanteur. Quand on vole, non. Bah oui. Mais je ne sais pas comment on peut faire. Enfin, en fait, c'est impossible de faire une attraction qui soit en apesanteur et qui finisse par retourner sur les rails. Enfin, je pense pas, c'est ce qu'ils veulent. Ça me paraît bizarre quand même, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Bon, alors, par contre, c'est bien. C'est calme, c'est reposant, et on est dans les chiffres. Donc, c'est bien. Quand on est dans les chiffres, c'est une bonne nouvelle. Juste voir la vitesse qu'on a. D'accord. On va avoir pas mal de vitesse. On va quand même tenter quelque chose de grand. Sauf qu'une fois que j'arrive là, il faut impérativement que je redescende. Je vais changer de sens. Faudrait qu'on retourne dedans. Tout droit pour le moment, parce que sinon, trop choqué. Et là, faudrait que je retourne dedans. Regardons. Ok, donc là, on est bien. Là, on continue. Pareil, on est toujours nickel. Là, on utilise des trucs qu'eux, ils aiment bien utiliser. Donc, voilà. Ok, on est bien. On est bien. Vraiment, on est bien. Moi, je suis assez satisfait. Je ne parle plus, hein. Le live est sur Twitch. Ah non, 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 Tomzy, on est sur YouTube, là. Je te rassure, tout va bien. Bonjour. Faites pas attention, je suis pas là. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Et là, du coup, on peut terminer facilement. En mode easy. À voir. Testons. J'aime bien ce double système de crochets, ça permet, c'est un petit peu esthétique. Faut pas qu'on aille trop de vitesse. Quand on a trop de vitesse, c'est pas... C'est pas cool. Oh là là, c'est tellement beau. Ok. C'est pour ça, je me suis dit qu'il fallait qu'on descende vraiment.
Ça va, la peur n'a pas exagéré. Voilà, on est quand même sur des éléments qui sont plus dans notre fait. Alors, donc 5 en enthousiasme, ok. Et pas plus de pas plus de 5 en osée. Osée, 1,28. Et 5 secondes en apesanteur. Donc on n'a pas fait les 5 secondes en apesanteur. Je ne comprends pas ce que c'est. Faudrait que je me renseigne. Parce que en apesanteur, effectivement, c'est quand on touche pas le sol. Donc, comme vous m'avez dit, c'est... On touche pas le sol, on est donc par conséquent considéré comme étant en apesanteur. Mais je pense pas que le jeu interprète ça comme ça. Je sais pas. Pour moi, dans apesanteur, il y a autre chose. Salut. J'arrive plus. Waouh! PG! J'arrive plus à parler! Salut à toi, Lolita! État dans lequel les effets de l'apesanteur sont inhilés égale pesanteur. Apesanteur. Merci NSL. J'adore ces leçons de science. Comment est-ce que vous voulez faire une sensation d'apesanteur avec une attraction? Parce qu'on peut pas, on est forcément obligé de toucher des rails. Donc on est forcément attiré. Donc on peut pas. Non, à mon avis, je pense qu'il attend là-dedans par chute libre. 5 secondes de chute libre. Bon, j'irai me renseigner sur internet pour le prochain live pour qu'on fasse quelque chose de propre, mais j'avoue douter. Vraiment douter. Donc écoutez les amis, sauvegarde à on. Et puis on va changer de parc. Hop. Donc on va considérer que c'est fait. Puisque nous n'avons malheureusement pas compris qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était, c'est très français. Qu'est-ce qu'était donc cette machinerie, on va dire, de pesanteur. Alors, next. Donc du coup, on aurait fini avec ce qu'il y a. Ok, donc on passe à lui. Alors là, c'est un peu plus loin. Ok, là, tout a été validé. Ok, donc là, voilà. Lui, on a eu des problèmes, notamment donc avec ce premier gars, le monolithe. On n'a pas réussi à faire l'étoile moyenne, mais on a réussi à faire l'étoile difficile. Probablement que l'étoile difficile est en rapport avec des finances. Et l'étoile moyenne en rapport avec une construction. Majoritairement, à chaque fois qu'on faisait pas l'étoile, c'était parce que c'était en rapport avec des constructions. Et pour moi, comme j'ai pas bien compris cet outil, c'est pour moi, à mon avis, l'élément qui était le plus compliqué. Alors, donc à quoi correspond cette étoile moyenne? Voilà. 5 en enthousiasme, 4 en peur, 6 en osée. D'accord. Donc on va essayer de construire à peu près la même chose. On avait essayé de construire ce truc-là, hein, je me souviens. Je me souviens. Bon. Attendez les amis, depuis tout à l'heure là en fait on construit les attractions, mais on sait pertinemment que pour valider une attraction, il faut qu'on la relie à la route. Je suis vraiment gogol à ce point. Non mais de toute manière on n'avait pas atteint les objectifs. Bref, on va essayer de se concentrer, de faire les choses bien pour celle-là. Donc 5 en enthousiasme et 4 en peur. Qu'est-ce qu'on a? C'est bon ça. Et 750 mètres de long. Ah oui, elle a pas 750 mètres. Touille. Écoutez, on va repartir en train. Dans ma vie. Hop. Nickel. Donc on n'oublie pas 5 en enthousiasme et moins de 4 en peur. Ok. Donc on a vu la recette qui fonctionnait, hein. Juste que je me mette bien. Hop, voilà. Comme ça, on peut travailler dans le sens de la longueur. Okay. Oh, c'est cool, là, on va pouvoir descendre plus bas même. Enfin, attention d'ailleurs parce que... Ok.
suis ultra concentré. Du bac à sable, s'il te plaît. À venir. Lance le wagon dans les arbres. Ouais, je pense que c'est ce qu'il fallait vraiment faire. En fait, on prend le wagon, on finit même pas l'attraction et on l'envoie directement dans les arbres. Je pense. Attendez, ce serait vraiment ça? Non, je pense pas. Non. Je pense pas que ce soit ça. Je sais pas. Vraiment, j'en sais rien. Je me renseignerai, mais... Non, je pense pas que ce soit ça, quand même. Parce qu'attendez, là, pour le coup, ça correspond vraiment à de la pesanteur. Est-ce que ce serait faire ça? Peut-être. Vous êtes pas bête. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais ouais. Peut-être. Ah, mais 750 mètres de long, purée, ils sont chiants. Alors là, il va gueuler parce qu'il va être en mode oh, c'est trop rapide, hein. Et on va voir. Hop. Vérifions. Ma souris, elle est là. Yahoo! Donc là on est vraiment bien, on a exactement tout ce qu'il nous faut. On a même pas besoin de se raccrocher. Mais bon, vaut mieux le mettre par sécurité. Cette attraction cartonne. Oui, il faut la finir Benji. Oula! Ça tombe vers l'infini l'au-delà. En fait on est super bien. Oh par contre, regardez les amis, où est-ce qu'il a mis? Donc là, bon, là on s'est fixé... tranquillou dans la paroi, on n'est pas grave. Mais là on descend tout en bas. Un truc de dingue. Même pas où on va. Et what the fuck? Regardez où est le deuxième pied. Truc de dingue. C'est encore là, on descend en bas, mais là pour le coup on a mis juste un pied qui traverse l'intégralité du trou. Flink en bas. Attendez, bon on va voir parce que faut qu'on fasse demi-tour, donc faut forcément qu'on en pose. What the fuck, schlack. Dingue. Peut-être encore une fois. Deux fois. C'était pour le plaisir. Donc là, faut qu'on fasse un truc pour s'arrêter. Quoique, attends. Je préfère faire ça et mettre des freins dans la descente. Et quoique. Ouais, non, c'est obligatoire. Faut qu'on les mette. Ou alors, attendez, non. Peut-être pas. Là, normalement, faudrait qu'on arrive de tout droit. Tout droit ici, et là... Un ralentisseur, éventuellement un deuxième, et là juste ici, on prend bien de la 13. Voir si je peux mettre un coup. Là non. Ah oui. Ok d'accord. On va voir. Regardons. Ok. Bon ça sert à rien, mais c'est la sécurité. J'ai mis Benji en doute avec mon idée de lancer de wagon dans les arbres. MDR, XD. Mais non mais tu rigoles, mais attendez. Ça se trouve c'est ça la solution. Non mais en vrai, on rigole, mais ça se trouve c'est ça la solution. Mais c'est rigolo, mais c'est peut-être la solution. Hein. Donc là je pense qu'on est pas mal au niveau de nos objectifs.
C'est où il y a beaucoup de peur? Attendez, je comprends pas. Où c'est qu'il y a de la peur? Là, on a de la peur, ok, mais on est bien. Là, on est bien. Peur, elle est bien, ok? Là, la peur, elle est toujours nickel. Bon. Là, on augmente un petit peu en peur. Voilà, là, on remonte. On redescend, on revient en peur normale. Bim, on descend, la peur réaugmente. On est dans la zone verte, tout est nickel. Là, on est toujours hyper nickel. On continue, on descend, la peur réaugmente, on est bien. On tournicote, là, on a un petit grain au-dessus au niveau de la peur. Ok. Ça, faut que je le mette plus rapidement, c'est peut-être pour ça. Ok, là, on a beaucoup de peur catastrophique, ok. Bon, là, au niveau de la peur, on repart dans du vert, on est bien. Ok, c'est sur la fin, donc. Vraiment, cette fin qui est compliquée. On se stabilise. Faut absolument qu'on se stabilise en frine. Là, deux freins, ralentisseur. Ça, oui. Hop. Ou eux, je vais les remettre en normal. Vraiment que la vitesse soit petite. Ah oui, puis lui, j'avais dit que j'augmenterais sa vitesse. C'est là. Recommençons. Allô? Allô? S'il vous plaît, monsieur? Porque no puede haber? D'accord. Merci, monsieur. Alors, le train de la mine. Faisons Benji. Ok, là on est bien. Effectivement, le train qui ressort de la mine. On monte, seguridad. Ça sert à rien, on aurait assez d'inertie. Mais je préfère. Hop. Là on descend. Ok, on freine. D'accord, donc on freine pas assez. On freine bien avant. Perdu, c'est où? Là. Hop. Ok. Là, je pense qu'on aurait assez. Voir. Là, on doit freiner. Qu'on soit à 20 dans le tournant. Ok, on y est à 20. Là, on regagne un petit peu de vitesse en descendant. Ok, on va peut-être en retirer un. A voir si ça suffit ou pas. On va virer que dalle. Que dalle, je te le dis, que dalle. Pardon, excusez-moi, tout va bien. Je commence juste à péter les plombs. Mais c'est un détail. Oh. Attendez les amis. 5 en enthousiasme, ok. 4 en peur. Au moins 4. Et on a fait 4-0-4, hein, c'est bon. Pas plus de 6 en nausée. Et 750 mètres de long. Je suis désolé ma poule, je considère ça ok, hein. Parce que franchement, faire 6 ou 6-0-2, c'est la même chose. Ouais, c'est pas plus de 6. Mais c'est quand même compliqué. Non, attendez, c'est pour... Ouais, pour la peur. On a fait 4-0-4. Ah non, minimum, au moins 4-0-4. Ah oui, donc là pour le coup, ce qui ne va pas, c'est les 750 mètres de long. Oui, bah je considère que c'est bon. Moi, ça me casse les pieds. J'aime pas ça. Hein, j'ai fait du mieux que je pouvais, ok? Voilà, maintenant on ouvre les gens, les people, tout ça, sont hyper contents. Eh bien, écoutez, les amis, quelle heure est-il? Bah, il va être l'heure d'arrêter le live. Simplement. Donc, pour la rediffusion, merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime, de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, à vous abonner, bien évidemment, en cliquant sur le logo si ce n'est pas déjà fait, pour suivre la suite des aventures avec Benji. Bon, vous connaissez la chanson à force. Et les amis, bien sûr, on se retrouve, nous, très rapidement, pour un de vos épisodes favoris. Allez, les amis, à la prochaine. Ciao, bye bye.